Dans cette vidéo, je vous parle de la colère des femmes et du regard des autres, et particulièrement des hommes. Et il se trouve que c'était un matin, j'étais particulièrement en colère, et du coup j'ai enregistré sur le vif une vidéo, et je me suis interrogée ensuite pour savoir si j'allais la publier ou pas. Tout d'abord, j'avais lu un article sur LinkedIn d'un homme qui prenait la défense des femmes, et là, encore une fois, il voulait se faire bien voir. Cette personne, en fait, défend la cause féminine, mais pourquoi? Surtout pour valoriser son ego, et ça m'a fait bouillir. Et vous allez voir dans cette vidéo aussi à quel point je suis en colère, parce que la veille de cette lecture, j'ai eu un incident avec un bon copain. Et en fait, c'est un peu limite. Et en fin de vidéo, j'aborde les 6 points qu'il faut faire avec une femme. Enfin, qu'il faut, c'est une injonction. Mais du coup, c'est 6 points que je trouve importants dans le regard de l'autre et aussi par rapport à la colère des femmes. Ensuite, le générique. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à vivre libre et autrement votre vie grâce à la psychologie énergétique. En toute conscience, en toute présence et en toute liberté. Et je vous donne les clés pour améliorer votre quotidien. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je voulais faire un truc sur le regard des autres et en fait, je me suis rendu compte ce matin, donc là vous voyez, je ne suis pas maquillée encore, mais ça va arriver, que j'étais hyper en colère et en fait, du coup, il y a plein de mecs qui disent « Ah oui, mais on prend en compte la colère des autres, mais ils sont hyper dans l'ego, quoi. » En fait, ils sont en train de dire aux autres hommes « Ah oui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » Bon, en gros, c'est « Macaille, tu es une meuf, ferme-la. » Mais voilà, nous, on te prend en considération, etc. etc. Et puis, il y a aussi l'excellent bouquin que j'ai lu sur la rencontre qui fait que, quelque part, en fait, les gens, ils sont dans cette sorte d'ego démesuré et que finalement, ils prennent pas soin de l'autre, même si la colère, elle est légitime, même si, même si, là. Donc, dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'ai exprimé un petit peu mon point de vue sur le trauma collectif. Et là, je vais faire une vidéo sur le regard des autres et sur la colère des femmes, qui est légitime. Alors, hier soir, voilà pourquoi je suis hyper en colère ce matin. Je vais manger avec un copain à moi. Et ce copain a un geste déplacé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui t'a fait croire, mon pote, que tu avais le droit de faire ça? Qu'est-ce que dans mon comportement? Et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi tu te remets en question quand même? Quand même, pourquoi tu te remets en question? C'est quoi le sujet là? Le sujet, le mec, donc du coup, il a le droit de te mettre la main à un endroit non convenu, sans ton consentement, et en fait, ça veut dire qu'il n'entend pas le truc. Et donc, du coup, je suis revenue sur, le regard des autres, c'est-à-dire que, quelque part, le regard des hommes sur les femmes, eh bien, on a le droit de s'habiller comme on veut. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait dans le regard de l'autre qui lui permet de dire que j'ai le droit de lui mettre la main là? Donc, je suis hyper en colère. Alors, ce qui me fait quand même rigoler, c'est que les hommes, sous prétexte de colère, de pouvoir, de politique, etc., ils ont fait des guerres, ils ont massacré, etc., etc., quand même. Nous, bah non, notre colère, elle est notre colère, elle est pas prise en considération. Et puis en plus, surtout notre consentement, c'est-à-dire que quand on dit non, c'est non. C'est pas peut-être, c'est pas parce que, c'est pas si, c'est pas un non qui est déguisé en oui. C'est un non, non, non. Voilà. Et donc du coup, savoir dire non, ben ok, voilà. C'est. Alors, je sais très bien que vu que je fais de la psychologie énergétique, il faut être aligné, il faut être neutre, voilà. Et j'ai plein de techniques là-dessus. Mais à un moment donné aussi, t'as juste envie de lui mettre un coup de hache au mec.
Et pourquoi tu as envie de lui mettre un coup de hache au mec? C'est parce que à un moment donné, il t'entend pas. C'est-à-dire qu'en gros, tu es en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui te fait croire que je t'ai dit oui? Bah si, je sais que t'aimes ça. Ah bon? Ah bon? Tu sais que j'aime ça? Mais d'où tu le sors que tu sais que j'aime ça? Parce que là, je t'ai quand même dit non. Et voilà. Donc, à un moment donné, d'où tu crois que tu as le droit de me mettre une main comme ça et tu crois que je t'ai dit oui? Mais, waouh! Voilà. Bon, bref, je vous passe les détails parce que c'est juste hallucinant cette histoire-là. Et du coup, je travaille sur ma colère parce que du coup, ça m'a mis dans une colère, vous imaginez, incommensurable. Ça veut dire aussi que ça veut dire que cette amitié, entre guillemets, qui n'en était pas une, hein, puisque je me suis trompée, hein, finalement. Hein, donc, du coup, ça veut dire que c'est une personne qui, pourtant, me semblait bien sous tout rapport, me semblait bien éduquée, etc. À un moment donné, a fait un geste déplacé et trouve ça totalement acceptable. Eh bien non, c'est pas acceptable. Donc du coup, je vous rappelle quand même que les femmes, on est quand même dans la colère depuis hyper longtemps parce que en gros, même quand on a une colère légitime, on nous dit, oh là là, ça va, oh là là, tu vas pas en faire un drame. Oh là là, on va chaque fois minimiser cette colère. Et moi, alors, j'avoue que, ben non, je suis désolée, cette colère, elle est légitime, on a le droit de te le faire remarquer. Et puis, dernièrement, en fait, donc je pourrais vous mettre les liens, mais je vois pas trop l'intérêt, j'ai vu aussi que ce soit de la part d'hommes ou que ce soit de la part de femmes, qu'il fallait limiter justement nos excès de colère parce que ça faisait un peu too much quoi. Donc c'est comme donc du coup il y avait l'hashtag MeToo mais il y a aussi t'es un porc etc. Et donc du coup il y a certaines alors philosophes genre bien pensants et ça me fait penser à ce que j'ai fait dans le trauma collectif, c'est-à-dire que il y a des autorités qui voient le jour et qui disent, ah oui, non, mais vous vous rendez compte, à force d'être trop dans la colère, ben vous portez tort au mouvement. Non mais attends là, attends là. Non mais attends, vraiment, waouh. Oh, ok quoi. C'est. Et donc j'ai revisité plusieurs films que j'ai trouvé hyper intéressants. Histoire d'un enfant gâté avec Belmondo et Anconina. Et surtout quand Anconina il dit, vous lui avez tout dit, vous lui avez tout dit. Non mais ça suffit. Vous savez Monsieur Lion, vous avez cassé tous vos jouets, mais moi vous me casserez pas. Je voulais le mettre à la fin de cette vidéo. Bon, alors, c'est tout? Oui. Tout? Ah oui, tout. Alors, elle sait aussi que je suis qu'une marionnette, moi. Ah, ne t'énerve pas, je vais t'expliquer. Non, vous m'expliquez rien du tout. Non. Je me calme pas. Je m'énerve si je veux. Parce que maintenant, ça suffit. C'est fini. Fini fait ça, fini fait ci, c'est terminé. Parce que maintenant, c'est moi qui ai les cartes en main. Alors, vous m'expliquez plus rien du tout. Parce qu'à partir de maintenant, c'est vous qui allez m'écouter. D'accord? Vous savez ce que vous êtes, Monsieur Lyon? Vous êtes un enfant gâté qui a cassé tous ses jouets. Vous avez cassé vos femmes, vos enfants, vos affaires. Puis maintenant, vous avez peut-être l'intention de me casser moi, mais ça, jamais. Vous m'avez appris à être fort, Monsieur Lyon. Non, mais franchement. Non, mais franchement, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous êtes le seul à pouvoir descendre d'une voiture et de vous mettre devant un lion? Non, mais franchement. Non, mais franchement, vous croyez que vous êtes le seul à pouvoir descendre d'une voiture et de vous mettre devant un lion? Il apprend vite. C'est mieux à la route, hein. Votre colère, elle est légitime. Messieurs, bon, vous allez calmer un petit peu de temps en temps votre ego, ou alors vous allez travailler sur vous, parce que c'est toujours les femmes qui travaillent sur elles, qui font du développement personnel. En fait, ce matin, j'en avais marre. Et pourquoi j'en avais marre? Ben parce que je trouve que c'est toujours les mêmes qui s'améliorent, c'est toujours les mêmes qui font des efforts, et finalement, il va y avoir des hommes d'autorité, ou des femmes d'autorité, ou avec des diplômes, tatati, tatata, qui vont encore une fois nous donner des bonnes leçons. Et ben, ces donneurs de leçons,
on en a ras le bol, ras la casquette. J'avais besoin de m'exprimer sur ce truc-là. Avant, j'aurais jamais fait une vidéo comme ça, pas maquillée, avec mon rimmel dans la main, et dire, mais en fait, je vais vous rappeler quand même quelques points. Donc, messieurs, vous voulez être des alliés de femmes ? 1. Accepter la colère des femmes. Petit 2. Arrêtez de nous dire, mais calme-toi, je vois pas pourquoi ça s'énerve. Petit 3. Arrêtez aussi de vous sentir visé chaque fois qu'on est en colère. Petit 4, arrêtez de minimiser nos ressentis. Et petit 5, arrêtez de nous donner des conseils quand on vous le demande pas. Et en 6, les accompagnements en développement personnel, ça existe aussi pour les hommes. Vous le savez ça ? Si vous vous faites accompagner, c'est pas parce que vous allez mal, mais vous pouvez grandir aussi. Ça, c'est pas mal, hein ? C'est vraiment pas mal. En résumé, le premier point, c'est accepter la colère des femmes. Le deuxième point, c'est arrêter de nous dire « mais calme-toi ». Le troisième point, c'est arrêter de vous sentir visé à chaque fois. Le quatrième point, c'est de minimiser nos ressentis. Le cinquième point, c'est de ne pas nous donner des conseils si on ne vous le demande pas. Le sixième point, faites-vous accompagner. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ça permet de grandir et on n'est pas obligé de se faire accompagner parce qu'on va mal ou on fait une dépression. On peut se faire accompagner pour grandir. C'est la fin de cette vidéo et je vous propose de me laisser un pouce si vous avez aimé cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Dans la description ci-dessous, vous avez tous les liens qui concernent cette vidéo et bien entendu les liens de mes formations en ligne. Laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je ne manquerai pas de vous y répondre et je vous dis à très bientôt.